Allô? Oui, allô, Cinéman. Vous êtes le super-héros du cinéma et nous avons une nouvelle mission pour vous. Oui? Nous avons un problème avec des méchants très méchants qui sèment la méchanceté partout sur la planète. Votre mission, si vous l'acceptez, et que vous avez intérêt, sera de détruire ces méchants, de leur défoncer leur tronche, de leur... Enfin bref, vous avez compris l'idée. Vous devez les tuer. Allez-y. D'accord. Et je vais où, en fait? Ça, on sait pas. Démerdez-vous. D'accord. Je suis Cinéman, le super-héros qui utilise les trucages du cinéma. J'ai une nouvelle mission. Buter la gueule de méchants, très méchants. Sur ce, je me rends à leur adresse avec une facilité scénaristique. François, Cinéman va t'arriver. Il faut que vous soyez vigilants. Restez sur vos gardes. Rentrez maintenant. Et changez-moi ces ampoules de peur, on n'y voit rien. Peut-être pas si secret que ça. Bon, j'y vais. Ah, le pouvoir du hors-champ. C'était vraiment secret. Pouvoir du hors-champ. Pouvoir du fond vert. Oh merde! Incrustez-moi un précipice, s'il vous plaît. Bon, on va pouvoir rentrer. Hey, qui penses-tu frapper là, toi? C'était ma doublure pour toutes les scènes dangereuses. Tu n'avais pas signé pour ça. J'ai un nouveau tour pour toi. L'équipe de la perche dans le champ. Bon, le QG maintenant. Bonjour, Cinéman. Je suis le grand méchant, le chef des méchants. Et je connais tes pouvoirs. C'est pourquoi j'ai placé la caméra de façon à ce que tu sois tout le temps dans le champ. Et oui, tu ne peux donc pas bouger, ni rien faire. Maintenant que je suis neutralisé, je vais pouvoir dominer le monde et rendre tout le monde méchant pour que tout le monde soit méchant. Voilà. Bon. En gros, pourquoi ces ampoules éclairent que là? J'ai envie de les changer. Eh bien, c'est parce que ce sont des ampoules en scénario. Elles ne s'allument pas quand c'est le grand méchant qui est dans la place. Mais je veux des lumières, moi. Moi, je veux des lampes. Des lampes roses. Moi, je veux quelque chose qui pète, qui est de la lumière, pas de la sombritude comme ça. Ça m'énerve. Tu ne le dis à personne. D'accord. Bon. De toute façon, tu vas mourir. Et tu ne pourras pas bouger. Car j'ai mis la caméra en grand angle. Et tu ne peux rien faire sans le marchand. Je connais tes pouvoirs. Le rayon laser va sortir d'ici pour te découper de bas en haut. Et oui, tu seras mort d'ici 10 minutes. Cinéman, maintenant, je vais répandre la méchanceté sur la Terre. Bien, maintenant je m'en vais. Attention. Mais n'aurais-tu pas oublié quelque chose? Le multicam, qui me permet de changer d'angle, hein? Merde! De toute façon, j'avais prévu cette éventualité. Libéré, fort accord. Où est passé mon plan? C'est ça que tu cherches? Je pense que mon fort accord a déplacé involontairement ton flingue de tes mains à mes mains. Tu es fait, grand méchant. Non, non, non. Je suis juste un petit méchant de merde, moi. Je suis pas voulu être méchant. Je suis juste un petit avocat à vélo. C'est pas un vrai méchant. Évidemment, j'ai marqué exprès. Et puis de toute façon, je te tiens plein. Ah! J'ai
bien fait de garder ce deuxième flingue. Je suis intelligent. Bon, maintenant que tu es mort, Cinéman, je vais conquérir le monde. Va dans cette cave. Mais comment as-tu arrivé là? C'est simple. J'ai couplé la facilité scénaristique avec le happy end. J'ai gagné. Et maintenant tu vas aller en prison. Ouais. Et c'est la fin. Mais, grand méchant, c'est vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Je me suis pris un générique dans la gueule. Et cette vidéo s'est finie trop brusquement. D'accord. Et on m'a pris ma cape et y a pas de lumière ici. Bienvenue en prison.